voici le QG d'Ex on the Beach. Et voici Vicky. Je me sens hyper bien aujourd'hui. Il n'y a que des ondes positives dans l'air. La tablette de la transformation est là. Il y aura des cas plus difficiles que d'autres. C'est normal. Qui va se lancer dans cette remise en forme musclée en premier? Voyons ce qu'on a. Bonjour Vicky, j'ai besoin de ton aide. Je veux pas me marier avec ce corps-là. Je m'appelle Paige, j'ai 27 ans, je vis dans le Staffordshire et j'ai 2 enfants. Voilà les garçons. Merci maman. Ils sont adorables. Je suis en couple avec Dan depuis 7 ans. Loupé. Son homme est pas mal. Il a fait sa demande l'année dernière. On n'a pas encore fixé de date à cause de mon poids. Il y a 5-6 ans, je faisais du 38, 40. Depuis que j'ai eu mes garçons, je fais que grossir. Dan part pour le travail du lundi au vendredi, alors une fois que les enfants sont couchés, je m'embête pas à cuisiner. Je prends un pot de glace, un paquet de mes chips préférés et je me mets devant la télé. J'ai une très mauvaise influence. Je commande à emporter au moins 2 fois dans le week-end. Tu l'aides pas beaucoup, Dan. J'aime Paige, peu importe son physique. Je veux que son bonheur. Je vis comme une ermite. Je sors jamais. J'ai peur que tout le monde dise « T'as vu comme elle a grossi ?» Me marier avec Dan serait un rêve qui deviendrait réalité. C'est mon âme sœur, mais je suis pas prête à cause de mon poids. Je sais pas dans quoi je m'embarque. J'ai besoin d'aide et de conseils pour avancer. Salut, ma belle. Enchantée. Moi aussi. Entrons dans le vif du sujet. Quand tu as rencontré Dan, tu mettais du 38 et tu as pris du poids progressivement. Ça a entamé ta confiance en toi. Énormément. Je dois acheter de nouveaux vêtements parce que plus rien ne me va. Parce que j'arrête pas de grossir. C'est déprimant. Quand j'y vais, j'ai envie de pleurer dans la cabine. Je mettais du 38 et là, je mets du 46-48. Je veux arrêter de grossir. Paige est une belle personne. Mais elle n'a pas la vie qu'elle mérite parce qu'elle est malheureuse à cause de son poids. Ça va continuer à faire boule de neige si tu fais rien.